Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Gnarfang pour un nouvel épisode de Moonlighter. Alors attention, épée enchantée, regardez ça fait des pubs, ça fait des trucs magiques, c'est des petites étoiles. Et surtout, alors parce que oui en fait je me suis aperçu que le jeu n'avait pas pris en compte l'achat de l'augmentation du magasin. Tant pis on a toujours le magasin de base, mais par contre il déconne un peu Pépère, hein. Bref, j'ai toujours le magasin de base mais voilà. Comme vous avez pu voir. Alors attendez. Merde, comment... Ah mais. Et voilà, c'est comme ça. Et il pense qu'il y a une touche différente pour l'arc, hein, c'est pas grave. Mais bon. Il n'y a rien. Ah, le tir rapide. Tac, tac, tac. Le tir d'éther. Voilà. Du coup, c'est trop bien. Oublié. Tac, tac, tac. Pouf, le sac. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oula. Oula. Parfait. C'est bon, on est chaud. Ah cool. Je suis bien tombé, nickel, comme un bleu. Parfait. Et au moins on est sûr, il n'y a rien ici. Ah, il faut voir le positif. J'ai l'impression que j'ai mon jazz qui déconne un peu. Mon jazz gauche, il n'a pas l'air fiable. Il n'a pas l'air très fiable, hein. La fontaine, que ça fait du bien. Ouais, que c'est reparti. Ouais, pourquoi je... Hein? Pourquoi je... Voilà. No, Jack, no, 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 no. Ouf. M'entraîne un peu à l'arc aussi. Ah oui, non bah on s'entraînera une autre fois. Hein, hein on dit quoi? Aïe. Monsieur vous m'avez fait mal. Ah, monsieur vous faites mal. Aïe, mais je suis nul. Mais merde, mais je suis trop nul. Mais je me déteste. Pour toi, mais... Mais non, mais pas... Pas ça. RT. RT si t'es triste. RT si t'es triste ma gueule. Je suis pas chaud. Hein. Oh la lourdeur du truc. Ah, je suis pas chaud du tout. Je suis pas allé voir s'il y avait quelque chose en bas, mais j'ai pas envie de visiter en bas là pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai envie de me faire une salle de défi. Hein. J'avoue que j'ai bien envie de me faire une salle de défi. Ça serait intéressant, je pense. Bon allez, visitons. Bon, y'a rien. Moi je prends que 5 dégâts, ouais j'avoue je pourrais tomber partout. Ah mais je fais même pas attention aux autres qui me crachent des poulets d'eau. Oh j'y suis pas. J'y suis pas beaucoup. J'y suis pas tellement là. On y croit hein. Agréable décidément aussi de ce jeu. Hop là. Parfait. Parfait. Le point, le faisons le point. Qu'en penses-tu? Il a pas aimé ma blague. Je sais pas pourquoi, moi je l'ai trouvé génial. Oh. Oh, faut tabasser les petits squelettes comme ça. Hein. Ça a pas l'air. C'est très rentable. Ouais, je pense qu'on l'a déjà lu. Hein.
La première entrée dans le donjon. Ouais, on l'a déjà eu ça aussi. Ouais, c'est bon, ça saoule le monde. Oh, Lourman va. Lourdingman, fous-nous la paix. Tiens, je casse ça et puis c'est bon. Pas de salle de défi attendez, il y a encore le milieu qu'on n'a pas fait. Encore des choses. Est-ce qu'on va abuser de notre fontaine? On se tâte un deuxième étage un peu en haut. Non, pas de la fontaine tout de suite. C'est un peu random quand même sur les monstres. Hein. Tout ça. Non. RT si t'es triste. Lui c'est en haut de flèche plus tard. Fais voir attaque. Plus. Ah ça transperce carrément. Ça c'est intéressant. Ça je dis oui. D'accord. Mais ah, faut que j'arrête. Je me gourde de touches tout le temps, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Bon, il n'y avait rien. Au moins, je suis fou. Je dirais que c'est ça le côté positif. Je vais laisser tomber. Hein. C'est dommage, parce que c'est vraiment les trucs dont j'ai besoin. Parce que... Ah, il y a quelque chose en bas. C'est un coffre qui a déjà été pris. Oh l'arnaque. L'arnaque. Je savais pas que le jeu pouvait te faire des moves d'arnaque comme ça. Pas intéressant, n'empêche. Ah, le pilier du défi. Voilà, moi je suis venu pour ça. Allez, go, c'est parti. Le défi. T'es mort. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que... Venez vous taper là. Ah ouais, ça par contre, le bubblegum avec... Ça va bien être chiant. Mais lâche-moi. Excusez-moi les gars, change de couteau. Vas-y, venez là. Top. Bon, j'ai pas cherché à les arrêter ou à les bloquer un peu. Rien du tout. Mais non, mais. Je suis un peu. Tu dois bien t'aligner à un moment donné. Là, je. Ah, t'es le seul là. J'ai pas fait gaffe. Oh, mais la dissidence de ce truc là. Ok, voilà. Bon. RT si je suis triste. Ok. Et j'ai déjà plus de place. Pourquoi? Parce que j'ai déjà plus de place. J'ai plus de place parce que j'ai déjà plus de place. Intéressant comme. Intéressant. C'est quoi ça? Masse cassée. Moi je dis très intéressant. Ça, on sait que ça vaut du pognon. Ça aussi. Bah, tout est utile, tout vaut du fric là. À part ça. Bah, ça vaut rien, mais je vais en avoir besoin. Allez, donne ton ombre. Ah, mais je voulais faire un autre niveau de défi, moi là. J'ai pas la place là. C'est du gaspillage. Allez. Deuxième portail. Là, tu peux plus le taper quoi. Follow man. Ah, mais tu vas me lâcher, oui. Ok.
ben là je l'ai pas eu. J'ai voulu faire mon grand manche, je l'ai pas eu. Voilà, je vais me faire bolosser. Est-ce qu'on peut fuir le truc à n'importe quel moment? Pas du tout. Arrêtez de me toucher, alors les mecs ils me touchent à peine quoi. C'est fini quoi, t'es mort en fait. Oh, oh ils vont me tuer, eux ils vont me tuer, eux ils vont me tuer. Pff, pas eu, mais c'était on était à que dalle là. Ok c'est bon, eux ils sont morts. Faudrait que je me fasse le roulant. Ouais. Vous deux, c'est plus qu'une question de principe, j'ai envie de dire. Si je fais pas le con, ça devrait se faire tout seul. Voilà. Je suis même full là, quoi. Ah, je suis plein de tout. Les 10 gélatines, j'en ai pas besoin d'autant. Vendu. Mais je vais reprendre quand même. Ah, bah, du coup, merde, il m'a pris ça. C'est quoi? Il m'a pris quoi? Un lingot? Ouais, les lingots c'est bien. C'est cool. Ça, je vais les vendre, même si ça se vend bien. C'est parce que je suis en prix négatif ces temps-ci. Voilà, je préfère les vendre. Et j'ai plus de place pour mes petites gélatines rouges. J'ai plus de place pour mes gélatines rouges. C'est bien que ça, ça vaut combien toi à la revente? Ouais, attends, je vais prendre un lingot, je vais prendre un aussi. Connard. 82$ il me donne. Et pour ça, il me donne combien? 18. Donc ça vaut pas très cher. C'est bon à savoir. Ouais, on va s'arrêter là parce que le jeu me dit arrête. Arrête. Arrêtez tout. Un lingot chiant, c'est vendu, coco. Putain, le loot est pas dingue, hein. Ça, c'est vendu. Oui, parce qu'il me reste encore plein de potions à la maison, donc je les vends pour l'instant, c'est pas important. Qu'est-ce que je vais passer par-dessus bord? Toi, je vais passer par-dessus bord. Je vais vous placer là et bienvenue à bord. Et voilà, on s'est fait juste un pilier de niveau 2 parce que la deuxième vague était quand même pas cool. Hein. Ah, ils nous ont envoyé une deuxième vague de je sais pas cool. Hein. Je fais un retour fontaine en fait là, juste pour voir si s'il en reste un peu de soin dedans, parce que s'il reste un peu de soin, on peut peut-être finir de se... Ah non, d'accord. D'accord, bon bah retour maison, hein. Je rentre à ma maison. Voilà. On rentre à ma maison. En ville, on a buté pas mal de monde. Hein. Bah, le golem nous a mis cher aussi. Hein. Putain. Je joue très mal dès que je reprends un peu. Je joue très mal, c'est horrible. Puis j'arrive pas à confondre RT et LB. Alors, pourtant, c'est Right Trigger donc c'est la gâchette. Je sais tout ça en plus, c'est ça le pire. Mais bon, j'ai pas encore bu mon premier café. Santé à vous. Par contre, les phases de chargement de ce jeu, on parle ou pas? GTA 5. GTA 6. Ah. C'est bon, j'ai plus le bug de... Ok, cool. Cool. Est-ce que j'ai assez, monsieur, pour faire des choses? Genre le casque. Le casque? Ok, ouais, non, ça j'ai pas. Botte en fer, non, je la botte en acier. Je sais pas, c'est d'or. Je suis un clochard. Oh, il vient de me dire que j'étais un clodo. Yes. Oh. D'accord, serre tête façon, façon chevalier du zodiaque. Entre les chevaliers d'or, là, un peu. Ouais.
Alors déjà, si je pouvais récupérer. Est-ce que ma vie c'est de la merde? Vous avez 2 heures. Les planches à billets là. J'ai qu'un stack, c'est qu'un stack de 7 ça. Ça vaut 15 balles, parfait. Allez, on ouvre. Liquider tout ça. Achetez tout. Vas-y Pépé, achète. Faut, faut tout acheter, faut tout vendre, faut tout faire là. Hein. Il y a 150 couteaux là par ici, ça vaut 110 balles. Allez, on roule. Il faut vendre. Il n'y a rien qu'en coût d'augmentation actuellement. Ah si, les planches. Ah, les planches sont recherchées du coup. C'est vrai que j'en ai pas mis. J'ai pas mis en vente. On va vendre ça à 18. Je suis un gros bâtard. C'est un bon prix. C'était honnête comme augmentation de prix. Oh là là, on est en train de se refaire du pognon. Alors il n'y a plus beaucoup de choix d'objets, donc vas-y on envoie, paf, on est pas mal. De la forge. Ah, la forge s'en hausse. Ah, alors là on va vendre deux forges, hein. J'annonce. On vend tout. On vend tout, je passe à voir. 220, ok. 225 même. Le mec gratte, hein. Le mec gratte tout ce qu'il peut gratter. Et là, on va partir sur un 250. Carrément. Mais non. Mais non, bref, c'est pas grave. Cher à 225, c'est trop cher. Ah, c'est trop cher de 5, hein. Je le sens bien, hein. Je sens que c'était vraiment les 5 dollars de trop. Paf, on va passer quelques lingots. Le lingot il est en hausse aussi. Ah ouais, le lingot aussi il est en hausse. Oh. 10%. 10% c'est honnête. 10% c'est pire qu'honnête. Pour un objet recherché soi-disant. Oh. Ça je le vendrai jamais. Allez. 70 aussi. Hein. Pas le choix. Hein. Faut acheter. Hein. Vas-y Pépé. Vas-y Papy. Vas-y pose tonton. Donc t'as trouvé ça cher mais là tu l'as acheté quand même. Ok. Nice. Le coût vient de baisser. Ah. Ok. Des trucs comme ça, je vais en vendre quelques-uns. Le prix est en hausse de ce truc-là, putain. Ah, écoute, vas-y, hein, 27, 28. Hein. On va vendre ça à 28. J'abuse pas, je rajoute que 3 thunes. Mon balai, je pourrais pas le vendre. D'ailleurs, je devrais le dégager parce que je pourrais pas le vendre. Et les planches du coup, ah bah oui, à force de jamais en vendre, le prix a monté. Ce qui est marrant, c'est que c'est que des trucs en fait que j'ai gardé à chaque fois pour pouvoir, pouvoir les vendre plus tard. Lol, c'était très rigolo. Oui, ce qui est sûr, c'est que tu peux déjà me remettre ça par là, et ça aussi. Enfin, tout doit disparaître. Je vous vois encore, encore des épées. Ah, attends, j'en ai un paquet là. Vas-y, rallonge. Parfait.
Bien joué, mamie. C'était le bon choix. You have choice the good item. Go. C'est vendu. Ça dégage, ça fait plaisir. Allez, videz-moi ça, hein. J'en ai vraiment trop partout là. Tout en grande quantité en plus, j'avoue. Paf, je passe ça, et puis même, je vais même passer quelques ailes de chauve-souris. Qu'est-ce qui est en augmentation? Les ailes de chauve-souris sont évidemment en augmentation. Évidemment. Ça vaut rien, mais bon. Toujours ça de gagner. La journée? 8000 balles? On a soldé pas trop mal. On a soldé pas trop mal, c'est cool. Reste de forge qui nous ont mis d'accord les noyaux de golem aussi. Hein. On a vendu un paquet de noyaux de golem. Ah, les épées brisées, 2008 balles. Ah, les épées brisées, il y avait une fournée. Il y avait une sacrée fournée. Bon, maintenant que j'ai un peu de pognon, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas me dire rien parce que t'as tout vendu. Ça va tellement être ça. Allez! Tu peux rien faire, tu as tout vendu. Ah putain, mais quel con. Ah pareil, il faut des manches d'épée pour ça. Ah, attention. Reste une forge. Ouais, bon. Ok. Pas de soucis. Moi, je suis pour me taper une upgrade de magasin déjà qu'on avait la dernière fois que le jeu n'a pas voulu nous donner. Confortable qui vous offrira un bonus de vie à l'aventurier chaque matin. Ah oui, ah, c'est pas vilain, hein. C'est pas vilain. Mais j'ai envie de tâter de ce magasin. C'est tellement plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nice. Ah mais attendez, je suis bête. Oui, casse-toi. Ah, merci. Si je récupère ça là, j'ai de la forge. J'ai mes pièces de forge en fait. Oh. Rigolo. On va se refaire un donjon quand même, hein. On va se refaire un petit donjon facile. Bien t'as vu. Il manquait quoi, des petits bâtonnets de fer? Enfin, c'est con. Hein. C'est con. Bon, mais ça, j'ai déjà. Si je fais. Il manque des trucs dans tous les cas que je possède pas. Et auxquels je n'ai pas accès en plus. Je peux fabriquer la lance. Moi, je suis chaud pour qu'on fabrique la lance. Ok. Ça remplace quoi? Ça remplace. C'est pas mal, hein? T'as de la longe et tout, c'est cool, hein? Ah, c'est cool, hein? Je vais me faire une. On va faire une petite session lance, un peu pour voir ce que ça donne, parce que ça a quand même pas mal d'allonge. Et j'aimerais voir ce que ça donne contre les gros cons avec leur épée là. Ça m'intéresserait pas mal. Oui, enfin, oui, non, enfin, autant de. Je vire tout. Merci. Voilà. On est d'accord que j'ai que le strict nécessaire, c'est bon sur moi. Ok, nice. C'est parti. Deuxième donjon. Et l'épisode d'avant était un peu court, celui-là sera un peu long. Puis parce qu'à chaque fois que je reprends la manette en main, je sais plus dans quel sens faut la tenir. Alors bon, ça commence à être ridicule. Et le problème, c'est que ça se voit. Donc, café, et c'est parti, deuxième donjon. Après une phase de chargement, bien sûr, interminable. Évidemment, la tradition le veut. C'est bien, j'ai l'impression de jouer à Fallout. J'ai l'impression de jouer à Fallout 4. Au bout d'un certain nombre d'années et de centaines d'épisodes de let's play incroyable et d'un 100% absolument magnifique et mirifique.
Mais un jeu qui n'en peut plus, qui est en PLS. C'est les jeux Bethesda, c'est la spécialité. C'est au début ça marche bien, puis après plus il y a de données, plus ça marche plus quoi. Allons à gauche, parce que les aventuriers ne vont jamais tout droit. Ah bah excellent, excellent. Oh! Meilleure arme du jeu. Meilleure arme du jeu. Meilleure arme du jeu. Meilleure arme du jeu. Oh, meilleure arme du jeu. Oh, monstrueux. Hein. Dommage que je peux pas avoir une lance et un arc. Je suis obligé de garder l'épée pour arme. L'épée bouclier. Mais alors sinon, je serais lancé à la lance et au machin. Ouais, vas-y, vas-y, ramène-toi, toi. Bon, il m'a mis un petit coup, mais du coup, il a pas réussi à m'avoir quand même. J'avais dit flûte, hein, c'est ce que vous avez entendu. Hein. Intéressant. Ah ouais, tu lui mets multi-dégâts, quoi. Ah, c'est super cool. À même charger, voilà, hein, mes meilleurs objets du jeu. Hein. Moi, j'ai dit... Moi j'ai tout dit. Hein. Je sais que ça vaut plus d'argent, mais j'ai besoin de pouvoir enchanter ma lance du coup. Je veux enchanter ma lance parce que elle est trop bien. J'ai lu, hein. Ils sont comme des papillons de nuit, attirés par la lumière, je vous le dis. Ils sont si nombreux à être attirés par les donjons. Si nombreux à se brûler les ailes dedans. Ouais, non, mais c'est bon. Oui. En fait, elle expulse les gens, tout ça, mais on sait pas pourquoi. Ah oui, le petit cassage de gueule traditionnel. Il y avait rien. Qui ne tente rien n'a rien. Je suis allé à gauche, bas en haut. Ah, et par contre, là j'ai pas le. Voilà. Là par contre, vu que j'ai pas le. Voilà. C'est un peu plus chaud. C'est un peu plus chaud. Ah, ça va quand même. C'est moins souple et moins agréable que le. Il y a quelque chose en bas. Un coffre vide. Pas du tout l'impression de m'être fait arnaquer. À droite ou tout droit? Allez, tout droit. Le boss. Non, la fontaine. Donc le boss juste derrière. C'est parti. Parti pour le boss. Pas de boss. Ah. Nous sommes très déçus. Ça le repousse quoi, c'est vraiment top hein. c'est vraiment la meilleure arme du jeu hein. Je suis désolé hein, mais meilleure arme du game. Ah, pour me reconduire faut que je fasse des choix visiblement. On peut même plus suicider tranquillement hein. C'est n'importe quoi hein. Allez. Ah cool, j'en ai un qui s'est empilé. Ça c'est cool, ça fait plaisir. C'est zizir. Un coup de bâtard. Meilleure arme du jeu. Je vous l'ai dit que c'était la meilleure arme du jeu ou pas? Mais tellement en vrai. Cette arme est tellement bien. Moi je vous dis, on va aller faire un défi, on va aller tous aller leur casser la gueule, ils vont pas comprendre. C'est quoi ça? C'est quoi toi? Je note que quand même le jeu fait évoluer le niveau des monstres aussi, non pas qu'en fonction des niveaux, mais également en... Ça c'est nécessaire pour fabriquer je sais plus quelle arme. Ah, c'est pour mon bouclier, je crois. C'est pour mon épée et bouclier. Il y avait rien.
bien. Ah là, ah voilà. Donc moi c'est un truc que j'ai du mal à voir ou à regarder, mais quand vous voyez briller, on a vu briller là, là où vous voyez le brouillard, ça avait brillé un petit peu quand je suis rentré dans la salle, c'est à dire qu'il y a quelque chose. Alors attends, par contre, je ne sais plus si on peut, fouiller ça. D'accord, bonne journée. Bon bah, deuxième étage, hein. Bon, si je le prends comme ça, go, hein, le deuxième étage, hein. Boum. Allez, c'est parti. C'est parti pour un deuxième étage, en bonne et due forme. Donc j'en ai collé deux. Je crois qu'il y a trois étages. Hein. Je peux tabasser à travers le caillou, sans respect. Mais je t'ai jamais respecté. Tu n'es rien, tu n'es personne, tu n'existes pas. Ouais, là, je serais toi le mob, j'aurais le savant. Moi j'aurais le mort. Hein. J'aurais le talmor. Hein, y'a un mec, il est apparu, il est mort tout de suite quoi. Ça, moi j'aime beaucoup. Hein. Ah, il est chiant lui. Hein. Le pire, c'est que je suis pas sûr qu'à l'arc on puisse l'avoir ce coup. Toi t'as beaucoup de PV hein. Ah et on peut pas te taper quand t'es droit du coup. Ah intéressant. Du coup j'ai jamais essayé, je me teste. Suicide. Y'a rien en bas hein. PV quand même le truc. Sans qu'une petite arme enchantée ici, ce serait pas un luxe. Peut-être pas retomber. Inutilement. Surtout qu'attention, j'ai toujours pas trouvé la fontaine. Et on va à droite parce que c'est bien connu, les aventuriers ne vont jamais tout droit, donc j'en ai le bac. Accéder à mon sac là, tu m'empêches d'accéder à mon sac. Meurs bestiole impie. C'est bon, je réussis à tout sauver. Mon sac, bestiole impie, mon sac, qu'est-ce que j'ai par terre? Ah oui, ah, c'est important en plus, faut que je les prenne parce que on peut enchanter avec ça. Il me reste plus beaucoup de potions à la maison, mais allez, on va dire qu'on peut faire 100. Ça. Fera 100, j'en ai plus besoin tout de suite. Ça, sans déconner, ça vaut que dalle. J'en ai des tonnes encore. S'il vous plaît, par pitié. Et on voit ça. J'aurais dû commencer même par ça. Ça, c'est les cœurs de golem. Ça, les noyaux de golem, non, ça, on garde. Hein. Clairement, clairement, on ne jette pas. Hors de question. Vas-y, donne-moi ça. Très bien. Il n'y a rien en bas. On continue. Ah, la fontaine. Et le golem, c'est parti. Alors attention, la salle la plus dure du monde. Hein. Donc, voilà. La salle de la tranquillité administrative, je l'appelle. Hein. Pourquoi? Alors je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Pourquoi la salle de la tranquillité administrative? Attends, même là j'arrive à le toucher quoi. Et lui il arrive pas. Ah c'est beau la longe. Voilà. Ah. Ok, il y avait rien. Cool. On aime prendre des dégâts. Ah mon gros.
ici là, je te tabasse un peu. Ah, j'esquive plus rien, j'en ai rien à péter moi. Bon, ça, si c'est fait, je vais peut-être esquiver ça. Vas-y, retépé-toi. Ah, salaud! Retépé-toi! Allez, retépé-toi. J'aime bien quand tu te TP. Par contre, RTC, je suis triste. Je ferais mieux de te faire au couteau en fait, parce que je crois que je fais plus de dégâts au couteau. C'est ça, j'ai enchanté le couteau quoi. Deux fois, je crois en plus. C'est l'armure d'acier que j'ai enchanté. Oh, il m'a vendu. Ah, c'est lui qui me donne le plug. Regardez, j'ai le plug. J'ai la connexion. Les gens disent que je suis un mec branché. N'est-ce pas? Et bah c'était bien. Bon, ça m'a coûté toutes mes potions quand même. Le temps de me dire, ah mais en fait mon couteau il est quand même beaucoup mieux pour faire des dégâts à ce monsieur. Mais ça se passe bien. Ah, on a plus grand chose. On va aller visiter tout droit. Allez, c'est parti. J'ai la longe absolue. Suis-je bait? Oui, oui, je suis bait. Et je les bait tous. Ah non. Ah merde. Quoi? Quoi? Pourquoi je peux pas ouvrir mon sac? Ah, le jeu il a bug. Ah non, il y a une mimique. Oh la vipère. Oh la vipère. Oh la vilaine bestiole. Dis donc, eh. Oh mais dis donc, eh. Ouais, bah ça c'est mignon, mais j'en ai plein. Et puis j'ai dit que malheureusement le prix était en baisse. Donc moi j'aime pas quand les prix baissent. Moi je suis quelqu'un qui aime l'argent, évidemment. Ah. Au revoir. Ça fait trop longtemps que j'étais dans le donjon, visiblement. Je vais même pas tester, hein. Moi je me casse, je vais en ville. J'ai trop de stuff en fait. J'ai trop de stuff pour prendre du risque de mourir de choses, de mort naturelle, de monstres en fait. C'est pas. Voilà. C'est pas dans mes projets. On va voir ce qu'on peut s'acheter puisque j'ai eu le espèce de plug. Donc je crois que je peux faire évoluer mon épée. En dégâts d'enchantement, je crois. On va voir ça. Quand sera fini de charger, évidemment. Chargement infini. Par contre, encore une fois, pour un petit jeu indé, chapeau bas à la DA, parce que je trouve tous les monstres assez stylés, assez mignons. Enfin, le jeu est mignon. Et surtout, la bande-son, quoi. La bande-son est très agréable. J'ai pas assez d'or. Il faut que j'aille vendre. Au secours. Au secours. Voyons voir ce qu'on peut faire. Allons voir. Donc on peut fabriquer nos bottes. Épée, bouclier. C'est ça. Donc je peux faire la version dégâts corps à corps. Parce que j'en possède la 2 sur 4, donc j'en ai pas assez. Je peux faire l'amélioration close combat. Ouais, mais alors est-ce que je peux savoir c'est 40 magiques quoi? Ah, ça va être air, terre, feu, électricité. Je sais pas. Alors que là, c'est de la poudre transpure. Ah, ça m'intéresse la poudre transpure. Cache pas, monsieur, dame. Ça, je peux le faire aussi.
Putain, je peux tout faire. Ah, je peux m'améliorer aussi une lance de... Ok, une lance de corps à corps aussi, enfin de baston quoi. Ok, pas le gant. Pourquoi le gant, je peux pas? Ah, parce que j'ai pas le gant sur moi. Oh, vous êtes taquin quand même, les mecs. Hein. Ah non, ils considèrent que j'ai jamais fait le gant? Oh bah tant mieux, hein, c'était de la merde. Je peux améliorer l'arc aussi. Oh, là, 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 là. D'accord, à partir du niveau 2, on peut commencer à améliorer notre matos. C'est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai à mettre en vente? On va pour mettre ça. Client généreux, chaque visiteur ajoute un pourboire généreux en payant 120%. Eh bien ma caille. Mais y a pas un objet que je dois poser là-dedans? Non, j'ai peut-être pas tout pigé. Bon, j'ai pas tout pigé. Dira-t-on. J'ai l'habitude, ceci dit. Ah, je vais pouvoir reprendre mes popos par contre. Peut-être en quart de autant. On a vu que du coup les planches ça pouvait servir. Là par contre j'en ai peut-être trop. Tiens, en moins un. Je te rends ça. Les lingots j'en ai 5 si je dépose. Ok, 7. Ça je dépose clairement. Ça aussi. Les lames, oui, également. Reste 4, les restes de forge on dépose. Et on est pas mal, je crois. Là, je crois qu'on peut vendre. Bon, bah, ça sera une journée de vente relativement assez courte, visiblement. Hop, ça on l'équipe. Voilà. Et ben voilà, j'ai juste à vendre ça. Allez, bougez-vous, bande de nuls. Y'a que ça à acheter, hein. Cherchez pas, négociez pas. Y'a que ça à se mettre sous la dent. Ah oui, ça c'est en augmentation, j'ai déjà augmenté le prix. Ah, ça non, par contre. Ici là, non. Un riche client. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah mais c'est un mec qui s'est barré avec mon truc. Oh, y'a un mec qui m'a piqué du pognon. Ah ouais, donc c'est fini d'être derrière le comptoir et d'attendre tranquillement quoi. Les gens viennent te racket quoi. Ah, le capitalisme, le retour. Au moins 500 balles. Allez, cassez-vous tous là. Je veux plus vous voir. 4000 balles. Ben voilà, ouf. On a fait un peu de sous vite fait. On a fait un peu de sous vite fait parce qu'en fait j'ai surtout tout gardé quoi. Il est vrai que j'ai un peu tout gardé. Ouais, et du coup j'ai envie d'améliorer mon épée et mon bouclier. Là c'est des trucs que je ne possède pas. Celle-là on peut la faire. Mais voilà, c'est ça. Je peux aussi améliorer. J'ai pas assez d'or. Oh là là. 1005, ah ouais, c'est la tuile. C'est la tuile, c'est la tuile. Bon bah Donjon Farming Simulator, hein, c'est parti. Ce sera parti, mais ce sera parti dans le prochain épisode. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait le Knarfon? Faut qu'il arrête tout. Est-ce que ce monde est sérieux? Tout ça, tout ça. Oui, des bisous. Au revoir YouTube.